Et puis les populations de la sous-préfecture de Kaoura, localité située dans le nord du pays, dans la région du Tchologo, ont rendu le week-end dernier un vibrant hommage à Traoré Bamoundien, DG de l'AGFOP et premier vice-président du conseil régional, également fils et cadre de Kaoura, pour ses actions de développement. Ouattara Daouda. Bamoundié Traoré, DG de l'AGFOP, premier vice-président du conseil régional du Tchologo, fils et cadre de la sous-préfecture de Kaoura, a été célébré ce samedi 4 mars par l'ensemble des populations venues des villages et hameaux de la sous-préfecture, aussi du diaspora et à l'extérieur, afin de lui témoigner leur reconnaissance infinie et admiration pour toutes ses actions de développement dans la sous-préfecture au plan sanitaire, scolaire, hydraulique et social. Pour eux, il est l'homme de la situation. Très, très cher Bamoundié, par ton humilité, ta disponibilité, ta générosité, ton don de toi, ton amour pour nous, et voilà, en vérité, tu forces respect et considération. Rendre hommage aux gens, les gens l'ont toujours fait à titre posthume, et je me dis toujours, rendre hommage à un homme à titre posthume, c'est pour la mémoire. Mais lui rendre hommage pour qu'il a encore vivant, c'est l'encourager à faire mieux. Retenons ses grandes qualités, la loyauté, la sincérité, la fidélité, le respect de l'aîné et ce qui a généré des gens comme Diomandé, comme Taïkloma, moi le président des jeunes, tous les jeunes, les Lions, conduits par ces généraux que vous voyez là. Alors, je l'ai dit, cette cérémonie, c'est un traduit certes d'une cohésion. Et je pense que l'ensemble des invités qui sont ici présents témoignent, c'était pour porter témoignage de cette cohésion que les fils de Kaoura peuvent démontrer, c'est l'ensemble de la sous-préfecture. Placé sous le haut patronage du ministre Téné Burahima Ouattara, représenté à l'occasion par son épouse, et sous le parrainage de l'honorable Diomandé Abdoulaye Karim, député de Kong, du professeur Issiaka Kone et de Cissé Momadou. C'est dans une ambiance festive que cette sympathique cérémonie a pris fin au grand plaisir de tous les fils et filles de la sous-préfecture de Kaoura.